Le championnat de France FFSAGT accueille cette année une nouvelle catégorie, le Gentleman Trophy. Réservé à des pilotes amateurs mais néanmoins des compétiteurs dans l'âme, cette course dans la course consacrera un champion à la fin de la saison. Le Gentleman Trophy, c'est une catégorie un petit peu plus cool entre guillemets par rapport à la catégorie Rennes maintenant, qui est le GT3, championnat de France GT3 normal. Nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on roule avec une voiture en fait de l'année dernière qui n'a pas évolué, donc ça permet d'avoir des coûts nettement inférieurs à ce qui se peut se pratiquer maintenant cette année. Donc, et ça permet de rouler aussi entre potes. Donc avec Thierry, on se connaît depuis de nombreuses années, donc on roule entre potes dans une voiture qui coûte pas trop cher. Donc le but de cette saison, c'est de se faire plaisir, et pour l'instant on y arrive. Plaisir certes, mais ces passionnés de sport automobile sont avant tout des compétiteurs qui se prennent rapidement au jeu. Le but de chacun est donc bien entendu de remporter ce trophée réservé au Gentleman Driver. On s'est inscrit aussi en Gentleman pour gagner, ça on se le cache pas. Après, entre ce qu'on veut et ce qu'on peut, il y a une différence, mais en tout cas clairement sur le papier on est là pour gagner. Typiquement, c'est vraiment, et comme les autres je pense, c'est d'avoir un titre, parce que ça fait quelques années qu'on roule, et puis on va essayer de travailler, on s'est donné les moyens d'être dans la bonne écurie, on pense, avec la bonne voiture, on l'espère avec le bon coéquipier, et d'avoir ce titre en tant que gentleman, gagner le titre de Gentleman Trophy, je pense que c'est une bonne chose. Pour sa première édition, le Gentleman Trophy est déjà passionnant, suite des aventures, toujours dans le cadre de la Super Série, au Val de Vienne, fin juin.